fait des réalisations qui sont superbes, qui sont magnifiques, et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on les a reçues. Il y a eu des débats toute la journée depuis deux jours. C'est vraiment assez magique ce qui se passe, et on espère que ça va durer encore bien longtemps comme ça, parce que cette parole qui est libérée chez les jeunes, qui a envie de se déverser partout auprès des autres jeunes, et bien faut que ça se passe. Merci à tous, merci à toutes, et je crois que vous avez lancé un festival formidable qui va se développer, qui va prendre une dimension internationale, mais je veux dire que dès aujourd'hui, c'est déjà une très belle dimension. Merci infiniment. Merci. Alors, vous pouvez changer et s'écouter, donc n'hésitez pas, même si ça doit prendre du temps, au lieu de peut-être de vous dire les choses entre vous, n'hésitez pas à demander la parole pour vous exprimer, puisque c'est ça aussi... le Festiprev. Vous pouvez nous rejoindre. On les applaudit bien fort. Moi, je voulais juste rajouter que il n'y a pas que nous qui ont participé à ce projet. Il y a l'ensemble de l'établissement. Toutes les classes du 6e à 3e ont été rassemblées pour le dernier plan que vous avez vu. J'avais une petite question. Au début du film, quand la caméra est en hauteur, vous l'avez mis où en fait ? De la fenêtre, de la dernière fenêtre où il ouvre en fait, quand il se penche et qu'il voit le gros monde, bah, c'est de là où était la première caméra. Ok. Mais aussi de cette expérience qui a été, je crois, très riche pour tout le monde. Nous, on a vécu des choses avec vous pendant cette expérience qu'on n'aurait pas vécu dans un cadre strictement scolaire. On a aussi partagé des choses avec les éducateurs du quartier qu'on n'aurait sans doute jamais partagé sans ce projet. Donc voilà. J'ai pas vraiment de questions, mais en fait je voulais juste vous dire que c'est vraiment génial et que j'ai vraiment adoré votre court-métrage. Merci beaucoup. Rapidement, on l'a tourné en une après-midi et ensuite le tournage à peu près, le montage a pris 3 semaines à peu près. Et puis dans ce film, on a surtout voulu montrer dans le harcèlement l'aspect des suiveurs, puisque le harcelé, le harceleur, on s'est concentré aussi là-dessus, mais le film est plus concentré sur cet effet de groupe qui est malheureusement très présent et sur ce que les personnes pouvaient se ressentir à ce moment-là, se poser les questions, tout simplement. Lors de la soirée d'inauguration, il y a un monsieur qui a parlé que la prévention citoyenne, c'était un sport de combat aujourd'hui. Et moi, je voulais féliciter tous les combattants du Vivre Ensemble qui sont à côté de moi, là. Et les 200 qui sont dans la salle. Vive les combattants! Sur ce festival, en fait, on a imaginé un festival, on avait un projet, on avait un rêve, et là on est en train de se rendre compte non seulement il se réalise, mais il va encore au-delà de ce qu'on avait imaginé. On a semé plein de graines partout dans toute la France, et là on voit des jeunes qui viennent s'exprimer, qui nous disent qu'ils ont reçu cet appel à film, qu'ils ont réalisé des projets, qu'ils sont démenés pour le rendre à temps. Vous savez, la relation entre le cinéma et La Rochelle, c'est déjà une vieille histoire. La ville est notre agglomération, nous aimons le cinéma, mais là nous l'aimons encore plus. Nous les avons bien entendu accompagnés, nous les avons aiguillés, mais plus encore, nous les avons respectés. Et ils ont fait tout le reste. J'ai envie de dire, vous avez fait tout le reste. Aujourd'hui, vous nous soumettez vos réalisations. Ce sont leurs tripes que vous allez voir.
Hey, ici Anthony Cavana, bonjour, je voulais interrompre les festivités. Je voulais en profiter pour féliciter tous les jeunes qui ont participé au festival FestiBrève. Bravo, 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 grâce à vos efforts, vous allez dominer le monde un jour et vivre en Suisse comme moi. Oui. Salut à tous, c'est Kev Adams et je soutiens le festival du court-métrage avec tous les jeunes de 9 à 18 ans, déchirez tout. Vous êtes l'avenir, c'est grâce à vous qu'on aura du cinéma bientôt. Merci d'être là et à bientôt. Vive les courts-métrages, vive le festival, vive vous. Salut. Alors, le prix coup de cœur pour FestiPrev est attribué à... Attention aux apparences. Encore les applaudir. Le prix de la mise en scène est attribué à... Au cœur de la confiance. Ouais. Nous sommes vraiment très contents d'avoir eu ce prix, le prix de la meilleure mise en scène. Nous remercions le jury pour nous avoir, pour avoir choisi ce film. Je suis très ému. Parce qu'on a vécu quelques semaines et quelques moments vraiment magiques. Et en tant que membre du jury, il a effectivement fallu que nous fassions un choix. Je pense que ce film, enfin cette aventure, elle nous a apporté beaucoup de choses. Déjà, elle a ressoudé le groupe. Continuez à être acteur de vos vies, de votre épanouissement. Et prenez soin de vous, des autres. Et ça sera le meilleur des scénarios que FestiPrev pourra vous faire. Wow. Alors, pour vous, évidemment, donc le Grand Prix vient un peu clôturer tout ça, donc il vient un peu parachever. Alors, ça va être, on va mettre la barre très haute. Donc, le Grand Prix du jury du premier FestiPrev est attribué à Ekimoz. Le lycée Guy Chauvet de Loudun dans le 86. Tout d'abord, on aimerait remercier FestiPrev pour cet accueil chaleureux. Merci beaucoup à vous, on est vraiment content d'être ici. Moi je dis bravo FestiPrev, bravo l'agglomération de La Rochelle et vive La Rochelle et pourvu que ça recommence l'année prochaine. À l'année prochaine! Salut!